Allez. C'est bon, ça t'a plu? J'ai encore de la place pour un bon gros dessert, t'inquiète. Ils sont prioritaires sur leur tranquillité. C'est gentil, merci. Vous avez géré parce que c'est gênant. Voilà. Mais je lui ai redit, j'ai demandé si il y a des moments où on aime bien être avec eux. L'année dernière, il y avait quelqu'un de connu, de très connu qui est venu chez nous. Tout le monde le connaissait. J'ai dit stop, on laisse tranquille. Après, il a été super sympa. Il y a des moments où on préférerait être joueur de pétanque que joueur de foot. Bon, voilà. Mais j'ai bien compris de la manière dont il. Je lui ai dit, est-ce qu'il vous attend ou pas? Il m'a dit non, mais bon, on doit faire une vidéo. Je vais voir ce sont là. Okay. En tout cas, donc je le dis que vous n'êtes pas là. Exactement. Ouais, voilà. C'est gentil, merci beaucoup, madame. Vous dites qu'on est retourné à Toulouse, au pire. Ah non, non, mais non. Je veux dire que non, mais vous n'êtes pas là. OFC. On est entraînement demain, on va retourner au FC. Ouais. Je peux pas voir cette réponse. Non, mais ouais, je vois. Mais au pire, voilà. Vous nous avez. Et puis, même pour notre image, genre manger des grosses entrecôtes avec de la sauce roquefort, bon, c'est pas. Mais voilà, c'était juste pour vous le dire. Ouais. Parce qu'on est censé être au régime en vrai. Les amis, je viens de voir la story de Darko où il parle de petits boutons qu'il a qui lui grattent pendant toute la nuit. Les amis, moi j'ai la même chose. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on n'est pas au même endroit, on fait pas la même chose, on fait pas les mêmes activités. Regardez, j'adore ma jambe. J'ai plein de petits boutons rouges là, je sais pas si vous voyez. Plein de petits boutons rouges et ça gratte. Et je me suis dit au début que c'était peut-être ma combinaison. Que je devais peut-être pas assez bien rincer ou un truc comme ça. Et du coup là, je vais aller la rincer. Dans l'eau douce, parce qu'en fait peut-être que, je sais pas, il y a des champignons dedans ou un truc comme ça, et j'en ai à d'autres endroits, hein. Genre ici j'ai des petits boutons, là j'en ai un, et tout ça, ça gratte, et au début j'ai cru que c'était des moustiques, non. Par contre aller rincer sa combi ici, c'est un peu le paradis, hein. Trop stylé, c'est ouf cet endroit, vraiment c'est dingue. Et vous êtes toujours énormément à me demander d'où viennent mes colliers. Donc celui-là c'est en coquillage et l'autre il est en opale bleu. C'est le bleu clair qui flash de ouf. Mes deux colliers ils sont faits par Icepin Kim. Je vous mets son Insta ici. Les amis, regardez mon van comme il est sale. Alors j'ai pris une initiative. Je vais faire une vidéo YouTube avec le bouseux. On va faire un concours de carwash sexy. Vous vous rappelez de mon ancien carwash sexy? L'idée ce serait d'être dispo près d'Avignon demain après-midi pour participer à une vidéo YouTube sur le thème du car wash sexy. Donc si vous habitez à Avignon, que vous êtes sexy, que vous savez un petit peu danser, que vous avez une bonne énergie, que vous pouvez faire des petits car wash, c'est le moment. Voilà, si ça vous intéresse, DM, si vous êtes près d'Avignon et tout. Cette vidéo, ça va être quelque chose, ça va être incroyable. On aura Bouzy en jury et moi en coach. Bon, les Avignonaises, là, j'ai toujours pas assez de candidates. Ça va être un délire, hein. Ça va être une super vidéo. Il y a possibilité de venir entre copines. Donc, chauffez-vous. Avignon, faites-vous passer cette story. Partagez-la au max. Je cherche des carwasheuses plutôt sexy pour laver des vannes en musique dans une humeur plutôt dansante. En fait les amis, je profite de boire un Perrier pour vous annoncer le gagnant du concours Perrier Murakami Roland Garros. Je vous le tag ici. Bravo, félicitations, tu vas recevoir ton coffret.